What's up les pibros, c'est Steven et Olivier Despardibro. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un test son. Du coup Olivier est comme à l'ancienne. Ouais. En plus, moins. Oh la bâtard. Oh là, je transpire déjà. Ah, mais moi aussi je brille frère. Il faut faire quelle langue c'est? Oui. Bah oui, bah oui. Et ça fait longtemps que ça fait bizarre, ouais, ça fait bien. Allez, c'est reparti. On va commencer sur du russe. Aïe, ok. Du russe. Passiva Poutine. Voilà. Passiva Poutine, ok. Passiva, ça veut dire merci. Pour tous les Russes, on s'excuse. Et voilà, on s'intéresse à votre langue. Et là, on va essayer de la mettre en avant. Ах, какой прекрасный день. Привет, PBROS, это Оливье и Стивен из Породи Брос. Встречаемся за невероятным видео. C'est impossible. Rien que déjà, ils n'ont pas respecté la langue russe, mais rien que l'audio, c'est comme ça. Mais je suis toujours ouvert. Il y a deux mots qui font 24 lettres, mais elle a dit ça en deux syllabes. Je te le jure. J'ai juste compris le Olivier Steven. Ah, kakor pikash nidin. Аркакор прекрасный день. Привет, Пиброс. Это Оливье и Стивен из Породи Брос. Встречаемся за невероятным видео. Là, c'était quelque chose. Là, c'est dur. C'est dur, les gars. Bon, les Pébros. What's up, les Pébros? C'est Olivier. Et Steven est Parodi Brose. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Voilà. Incroyable. Magnifique. On va rigoler. On va pleurer. Et ça va compter dans le challenge. Vous verrez. Parce que certes, un de nous aura le gage, mais vous aussi, vous allez gagner quelque chose. Donc, oui. Prochaine vidéo, on va en parler un peu plus. On va en parler un peu plus, Epibro, parce que franchement, on va vous faire justement gagner certaines choses. Mais on n'en dit pas plus. Donc, restez bien jusqu'à la fin. C'est la prochaine vidéo qu'on va le dire. Ah, c'est dur, c'est dur les Pibros. Ah, c'est la reprise, hein. C'est la reprise. Ah, c'est ça, on a pas fait des crassages. Ouais, on a en direct. Bah, on s'est pas échauffé. Non, en tout cas, ça fait plaisir de revenir ici dans le studio, de refaire des vidéos. Parce que là, c'est officiellement, parce que là, comme vous le savez, vendredi, il y a eu la rentrée sur la chaîne Les Parents d'Ibro, qui annonce vraiment la vraie rentrée. Parce que la rentrée avec la vidéo qu'on a fait avec les abonnés, avec Intersport, c'était la pré-rentrée. Là, c'est vraiment la vraie rentrée. Donc, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. De fou vont arriver. Tu veux du gel ou c'est comment? Bon, le jury nous a concocté quelques vidéos, ça me patoche. On va voir justement qui va rigoler. Par contre, on va rendre les choses encore plus dures. Ouais. Celui qui fait ne serait-ce qu'un petit... C'est fini. C'est fini. Un petit gonflement de... C'est fini. En vrai, je pense qu'à la fin, il y aura un match nul. Hein. On ne sait pas du tout, on prévient, on ne sait pas du tout. Ce n'est pas joué, hein, d'accord? On ne connaît pas, on ne sait pas du tout quelle vidéo on va regarder. Par contre, si c'est des vidéos comme la dernière fois avec l'enfant qui tournait extrait... Oh, non. Non, 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 non. Si ça arrive encore... Non, non, alors là, ça va être dur. Ça va être dur. Bon, là, je suis confiant, je suis confiant. Bon match. On est chaud là, on est chaud. Dès que t'appuies sur play, ça commence. Ok. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les Pébros, ils ont vu. J'ai même pas rigolé pour la chute. J'ai rigolé parce que j'avais envie de rigoler. Oh, bah ouais, mais normalement, ça compte parce que t'as dit. Non, mais attends. Tu as dit au moment où je fais play, ça commence. Je suis désolé, non. L'arbitre là, il t'a vu. Mais en tout cas, dans ma tête, dans mon cœur, c'est 1-0. Ok, c'est parti. Mais j'ai rigolé pas par rapport à la vidéo, c'est parce qu'il a rigolé avant. Ouais, et... direct à cause de moi. Mais oui, mais normalement c'est un point pour moi. On recommence. Mais quoi? Oh le gratteur. Oh le gratteur. Mais normalement il y a un point pour moi. Non, non, normalement. Il y a un point pour moi. Je suis, j'ai même pas vu l'écran. Il y a la caméra qui a vu. Arthur, il a vu. Dis la vérité Arthur dans le montage. Dès que t'appuies sur play, ça commence. Ok. C'était nul. Je rigole quand même. En fait, quand c'est nul, je rigole. Deuxième vidéo. Je rigolais avant. Quand j'ai vu le bébé, je savais. Je savais que c'était ça. Je savais. Oh, ça c'est ma plus grande phobie. On continue. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Rabus à 1, let's go! Non, ouais, 3-2. Arrête! Oh my god! Oh, I hurt so bad! Mais sérieux? C'est incroyable! Is it good? Would you like a bite of my vegetables? Tu
Purée. Oh, c'est dur. Attends, vas-y. Allez. On va changer un petit peu. Mais c'est quoi ça? Oh non. Donc là c'est X Factor, donc c'est les auditions pour montrer voilà, ses talents donc, de chanteur. C'est un peu comme la nouvelle star, un petit peu. C'est une blague entre des jokes inside, comme on dit. Inside joke. Mais non, tu veux pas faire ça. Non, plus, il est mort. Oh non, il est mort. J'avoue, j'aurais du mal à me contenir. Oh non. Thank you. Ah, c'est tout, c'est fini. Attends, c'est ça le truc. Elle a cru qu'elle allait pouvoir gagner avec ça. Mais what? Tu te rends compte que tu passes à la télé, tu chantes une musique et les paroles c'est... Mais c'est pas une musique ça. Et il y en a certains qui vont dire, ouais, mais les juges, c'est chaud. C'est chaud de pas régler devant ça. Tu passes d'un mec qui est en train de chanter You raise me up. Hein? Ah ouais. Alors, en fait, surtout, en fait, tu te dis, est-ce que la personne est vraiment sérieuse en faisant ça, en fait? Mais oui, mais surtout, tu te dis, en fait, c'est, ça, c'est le quoi? C'est le refrain? C'est le mec au début, elle dit, c'est l'intro, ça? C'est un gamin. Un gamin. Good luck. Have fun. Okay. Good luck. H to the O to the N to the E to the Y to the G, it's honey G. H to the O to the N to the E to the Y to the G, it's honey G. When I say honey, you say G. Honey G. Il parle pour camoufler quand même. Non, blague à part. Blague à part. Je me dis, tu te rends compte que c'est pas même pas en mode de rigoler. Non, c'est plus en mode. Ah non, c'est la pauvre. Parce que je me dis, y a personne dans son entourage pour dire en mode, écoute, t'es pas obligé de le faire. Écoute, t'as son entourage en mode, c'est très bien ce que tu fais. Et qu'ils sont vraiment sincères en disant ça. Après, il y a un petit flow, mais... Non, c'est dégueulasse. Oh, les gamins. C'est dégueulasse. Oh, la tête. En plus, cette musique, elle est connue, les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette musique à Lance, c'est Missy Elliott. Mais bro, c'est... Ah non, c'est chaud. Ça, normalement, ça, c'est les Français, tu sais, quand on connaît pas les paroles. Mais là, c'est l'anglais, elle comprend. Là, elle a fait du franglais, les gars. Oh. Comment tu peux faire ça? Bon, mais à quel point qu'il n'y a pas le point, je comprends pas. C'est comme si t'es genre, tu vas à Nouvelle Star, tu fais Petite Marie. Petite Marie. Avec. Mais non, tu peux pas, aller un show comme ça. Un show comme ça, sans préparer les paroles, surtout. Vas-y, on change et on fait d'aller. Et là, si je rigole, ouais, c'est fini. De toute façon, bon, je pense que c'est fini depuis longtemps. Mais même si bah, ça t'avait très chaud au début. Allez, c'est parti. Allez, compliqué. Elle est bien habillée. Elle a passé les auditions, ça veut dire en plus. Elle a passé les auditions parce qu'elle est devant le grand public. Ah bah oui. Non, mais il y en a certains, c'est auditions en public. Donc Là, le truc, c'est que là, ça sent pas bon parce qu'elle est belle, elle est bien habillée. Mais tu vois, toi, tu regardes, tu dis, elle va sortir un truc en mode à la Sia Kills, tu vois, en mode. Ah, mais non, là, ça se sent qu'il y a un truc mauvais. Yeah, in front of a live audience like this, yeah. Okay. And who's with you today? My mom, my dad, and my auntie. And are they supportive? Yeah, very supportive. Okay. Our Sophie is really, really good. I can't believe it when she's singing. Oh mon Dieu, sa mère vient de dire qu'elle pense, voilà, elle dit que sa fille est vraiment, vraiment forte. Ok, on va voir si sa mère a raison ou si c'est vraiment l'amour qui prend le dessus. Je pense que c'est plus l'amour. Yes! Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! Mais attends! Non, mais attends, juste le contrat de Milan. Et ses parents? C'est qui m'a mis KO? Déjà, tu vois les jurys sont en mode choqué. La famille, comme tu dis, ils sont voilà. Ouais, ouais. Mais elle, regarde ça. La bouche, mamie. Non, c'est chaud, non, mais non. Et elle a 16 ans en plus, hein. Elle a 16 ans. Mais elle fait plus âgée, hein. C'est quoi là? Elle dit, je pense qu'elle peut même faire mieux que ça. Elle peut faire plus que ça. C'est pas qu'elle peut, c'est qu'il faut. Bah oui, en ne chantant pas. Genre.
Je voudrais retirer le moment où j'avais dit qu'il était bien habillé. J'avais vu que le haut, mais j'avais pas vu ça en bas. Il y a des gens qui applaudissent par respect. Moi, mon fils ou ma fille fait ça. Moi, je suis comme ça. C'est à la fin. La mec, il me fait, vous en pensez quoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle continuera à travailler et puis... On va voilà. Peut-être un jour. Voilà, il fera plutôt des lives sur Twitch. Je vais pas rendre bro et puis les gars. Alors, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Well, let me start off by saying you, Sophie, are a beautiful girl. Carrément, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Parce que quand le jury, on te dit justement, t'en penses qu'on a une performance? Alors déjà, juste, tu es très belle. Quand tu commences par un compliment physique, c'est que ensuite vient le... Il y a une douille. Comme elle est là pour chanter. Alors, la première chose que tu juges, c'est son chant. Mais qu'est-ce que tu peux juger là-dessus, Stel, comme performance? Est-ce que tu te dis en fait, compte, est-ce qu'elle sait chanter ou pas? Dites-nous dans les commentaires, hein, les gars. Est-ce qu'on est un peu trop dur avec elle ou pas? Est-ce que pour vous, est-ce que peut-être il y en a certains qui doivent kiffer, hein? En vrai, moi, je dis qu'elle peut faire quelque chose. Si elle travaille énormément. Bon, victoire écrasante de Steven. Mais bon, je pense que peut-être qu'on va même pas publier cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup les vibros d'avoir regardé la vidéo, d'avoir vu ma belle, très belle victoire. Ce n'est que le début. Et n'oubliez pas qu'à partir de la prochaine vidéo, il y aura un nouveau système de punition pour nous et un système de gain pour vous. Voilà, de cadeaux. En tout cas, les vibros, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre la famille la plus unie sur YouTube. Nous sommes bientôt à 1 million, donc abonnez-vous. Prochaine vidéo dimanche prochain ou mercredi aussi, parce que maintenant il y a tous les dimanches sur une vidéo et aussi une fois sur deux, en tout cas pour le mercredi. On vous aime, voilà. En tout cas, prenez soin de vous et puis sur ce, ciao.